J'ai eu de la chance, contrairement à trop de mes amis. En montagne, être équipé d'un Narva, d'une pelle, d'une sonde, d'un sac airbag semble être le minimum. Avoir des amis entraînés pour essayer de vous retrouver et de vous sortir de là en moins de 15 minutes, c'est indispensable. Mais malgré tout ça, les statistiques sont là et dans 25% des cas, vous serez déjà mort. Compressé par la pression de l'avalanche. Une sensation horrible, presque indescriptible. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Je ne souhaite à personne ce que j'ai pu vivre ce jour-là. Alors ridez intelligemment. Pensez à vos proches. Pensez-y. Passe l'avalanche, j'arrive full speed en bas, je sais pas ce qui se passe, je me mets un tête-pied, je sais même pas pourquoi tellement j'étais en stress. Et la tête-pied, je me dis putain non, et en plus malheureusement ou heureusement c'était comme dans les films, je me retrouve face à la montagne, et juste le temps d'essayer de me relever pour repartir dans le bon sens, je vois le nuage qui m'arrive dessus, pouah, ça m'a pris d'un coup, première couche de neige qui m'ensevelit, là je me dis putain ça va, c'est pas trop épais, et puis d'un seul coup t'as l'autre couche qui arrive, et là je me suis dit tu sais d'un seul coup tu repenses à tout ce qu'on te dit quoi. Je pense à respirer lentement, machin, de faire une poche d'air et tout le bordel. Ah, petite frayeur quand même. Hein. Petite frayeur, mais voilà, c'est pas pour aujourd'hui.